Je suis de nationalité congolaise et je vis ici au Kenya où je travaille avec ICP. ICP, au fait, c'est International Center of Insect Physiology and Ecology, un centre de recherche en entomologie, principalement sur les arthropodes, localisé à Nairobi, au Kenya, en Afrique. Elephants and Bees project is a project that uses bees to deter crop breeding elephants. So we are 3 kilometers to Tsavo East National Park, and we also have Tsavo West on the other side. Most of the elephants come from Tsavo East, to this dispersal area. It's a dispersal area for elephants, and they do come to crop breed. So most of the farmers that we do have here are really going through problems of elephants every time being crop raided. Using bees as a natural deterrent for elephants. And yeah, it's working. Yeah, and this project has helped people. Like me, before this project, we have been not sleeping. When I'm asleep, my wife should be listening. And when my wife is asleep, I have to keep on listening the whole night. Because when we are asleep, they can come and crop ride within some few hours and finish everything. I think the main challenge is now to
educate to do more education to some farmers. But by now, the community understands that this project is helping, and they need everybody to have this beer fence. But due to the financial, that's the only problem. Otherwise, challenges is just maybe repairing the hives, doing checks, checking if there is anything going on. Those are only challenges, like any badgers. To me, other farmers or in another country, whatever that is, it's just to be given awareness that bees can scare away elephants. So if they can use this method of the one we are using here, I think the problem will go down. Yeah. It's a livelihood, it will generate for you income. But from that, you will have high yield in your farm, as bees do pollinate crops. And so apart from, if you're a farmer, obviously you'll wish to have high yield if you don't want to have honey. So it's another bonus for you. And also having honey is another huge bonus, because you can sell it if you don't want to eat it. It's medicinal, and you know all those benefits of having honey. And so it's really, really like a project that I would be, if I was the one, or if I'm to tell you, you'll be keen and take it, because it's a nice incentive for you. Yeah. Hey. Dans cette biodiversité, quelles sont les espèces qui acceptent de coloniser ces boîtes à nids? Dire que l'intérêt suscité par les abeilles sans aiguillon au niveau mondial a surtout émergé lorsqu'il y avait les problèmes de colonie collapse des odas, où au fait les gens commençaient à penser qu'il fallait chercher des pollinisateurs alternatifs aux abeilles et apis. Et aussi lorsque les gens ont commencé à s'intéresser sur les abeilles solitaires, et ils se sont rendus compte que certaines espèces d'abeilles solitaires étaient plus efficaces du point de vue pollinisation par rapport aux abeilles apis. Et c'est à ce moment-là, au fait, que l'intérêt des abeilles sans aiguillon est apparu, parce que au fait, ce sont des insectes qui ont quelques traits en commun avec les abeilles apis. Ils sont sociaux, ça veut dire qu'ils ont une reine, ils ont des faux bourdons et des ouvrières. Aussi, ils recrutent les ouvrières pour aller butiner. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'au fait, ils produisent du miel. Bien qu'aujourd'hui, avec le codex alimentaire, on ne les reconnaît pas comme du miel, mais au fait, c'est du miel que ces abeilles aussi produisent, mais bien que la quantité dépend d'une espèce à une autre.
just remove all those. Yeah, first of all, the honey itself is food for our community or for our people. Secondly, there are some species of these bees, stingless bees, which is used to cleanse some cuts from our people. Maybe somebody kills somebody without this honey, stingless bee, you cannot cleanse yourself. So the elder people used this bee to cleanse such like things, so that you live peacefully. Stingless bees or honey are of very much important to our culture in this area, in that we have medicine men, like those using herbs. They normally, after harvesting their medicine, they mix with honey, whereby their patient is able to use. Also, this has been very grateful to some of the mothers whom they use. Some take the honey as medicine to help their children in the wombs. En fait, du point de vue fondamental, nous devons d'abord arriver à connaître ou à étudier le comportement de ces abeilles et l'interaction au fait qu'il y a entre l'environnement, le climat, les plantes et les compétitions avec les autres espèces et ces abeilles sans aiguillon. Afin de pouvoir au fait arriver à comprendre le rôle que ces abeilles ici jouent dans notre environnement, et ces informations fondamentales vont nous aider au fait à pouvoir développer au fait des recherches du point de vue, comme vous avez dit, développement pratiquement, où les fermiers peuvent mieux utiliser ces abeilles ici pour pouvoir maximiser la production et même la pollinisation. Et du point de vue pollinisation, au fait, c'est l'utilisation de ces abeilles pratiquement dans des serres, et la pollinisation dirigée, c'est quelque chose qui nous intéresse pratiquement pour l'instant, pour qu'au fait, du fait que les gens ont peur des abeilles de l'Apis mellifera de l'Afrique, parce qu'en fait, elles sont toujours agressives, elles piquent, et beaucoup de gens seraient intéressés à pouvoir utiliser les abeilles sans aiguillon qui ne piquent pas. Mais le problème, c'est comment les utiliser, et la pollinisation dirigée pourrait être quelque chose de bon pour éviter la compétition avec les autres plantes mellifères qui pourraient peut-être être beaucoup plus attractives par rapport aux plantes que nous voulons polliniser. Autour du développement de la polyculture, au fait, la première des choses, c'est arriver au fait à mettre sur pied un centre qui pratiquement promouvoit et protège ces abeilles dans les différents pays africains, parce qu'au fait, il y a une certaine, la diversité au fait de ces abeilles varie selon d'une région ou d'une autre en Afrique. Donc, arriver pratiquement à implanter des centres pour promouvoir cela, c'est quelque chose de bon. Ça va vraiment aider à promouvoir la polyculture. Les gens cherchent l'information, mais parfois la distance qui nous sépare, par exemple, du Kenya et ces pays, ils n'ont pas les moyens nécessaires. Et un autre problème aussi, c'est que la commercialisation de ces miels.
Jusque-là, au fait, c'est au niveau local, ça veut dire au niveau des communautés locales, et certaines personnes dans des grands centres-villes qui sont informées. Et si on arrive maintenant à exporter ces biens vers, par exemple, l'Europe, l'Asie, ça va vraiment être un bon marché. Et je pense que l'Europe a l'intérêt d'y faire, parce que tout ce qui se dit autour de ces appels du point de vue propriété médicinale, ainsi de suite, ce sont des aspects que nous devons vraiment, avec des experts, regarder à fond. Et si c'est vraiment positif, je pense que c'est un miel bio qui va vraiment beaucoup aider la population. Parce que les mélipones sont associés avec la forêt. Et vous le savez bien que quand on fait la mélipoculture dans des aires protégées, eh bien, tout ce qui est usage de pesticides ne serait pratiquement pas utilisé dans ces endroits-là. Donc, ça sera vraiment du miel bio. En fait, c'est surtout arriver à développer des méthodologies ou des technologies où, au fait, on arrive à reproduire artificiellement des colonies de ces abeilles, surtout à partir des reines vierges, comment pouvoir les inséminer. Parce qu'au fait, vous savez que toutes ces colonies proviennent de la nature. Et quand les gens doivent se relier de la nature, ça veut dire qu'il y a toujours de la destruction qu'ils vont toujours avoir lié dans les différents environnements où ces abeilles nichent. Et c'est pour cela que nous pensons que commencer déjà avec des méthodes artificielles de production de reines serait quelque chose de bien. Quand on arrive à établir un grenier où les gens peuvent arriver à avoir des colonies bien sélectionnées ou adaptées pratiquement pour une spéculation, soit la pollinisation ou la production de miel.